j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour prendre le temps de se poser, de se parler, de s'écouter et de partager. Alors je vous invite à composer le 39-21 où jusqu'à 1 heure vous serez chaleureusement accueillis par Assiba et Julie avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également vous joindre à nous pour nous faire part de vos commentaires par SMS au 739-21 en commençant vos messages par le mot « nuit ». Nous envoyez également vos courriels sur le site europe1.fr ou si vous voulez parler avec nous en direct à l'antenne, eh bien appelez le standard 39-21. Jusqu'à 1 heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Cici. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie tout d'abord d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Vous voulez me parler d'une rupture un peu fracassante, voilà. Oui. Voilà, donc en fait, pour résumer, j'ai connu quelqu'un sur un réseau social. Mm-hmm. Et puis, il s'est avéré que nous avions beaucoup d'amis en commun, dont un cousin avec qui il avait fait ses études universitaires. Oui. Il se connaissait très très bien. Bon, tout va bien. Et puis, au bout de quelques mois, 2-3 mois à peu près, il s'est installé pratiquement chez moi. Pas de problème. Tout allait très très bien. Pas de problème. Et puis, au mois de juin, je devais partir en vacances. Enfin, on devait partir en vacances. Et puis, il a eu un problème de passeport, donc il n'a pas pu venir avec moi. Il me dit pas de souci, vas-y, je t'attends et tout, pas de problème. Et au bout de 2-3 semaines, il m'annonce qu'il a un gros problème, qu'il va falloir que je sois patiente et que je l'aide. Jusque-là, bien sûr, je suis là, je t'aide du mieux que je peux. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas te dire. Dès que tu rentres, je t'explique. Bien, je suis rentrée le 27 juillet. Mmh. Il est venu me voir. Lorsque je suis arrivée, il n'a pas voulu parler. Il m'a dit, je suis juste venue te voir si tu étais bien rentrée, tout, pas de problème. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Il ne veut pas parler. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Parce que, bien sûr, il ne vient plus chez moi, il ne m'appelle plus, on ne se parle plus. Si je lui envoie un texto, il ne répond pas. Mais il vivait chez vous auparavant, donc il a déménagé? Ben oui, quand je suis partie en vacances, il a... Il a pris ses affaires, il est parti? Oui. Oui, ah oui, il a dit c'était mieux comme ça. Bon, même quand il était chez moi, il n'était pas tout le temps chez moi. Oui. Il pouvait rester 2-3 semaines et repartir chez lui. Oui. Selon son emploi du temps et tout. Bon. Et il ne veut pas dire quel est ce gros problème? Non, il ne veut pas dire. Et moi, j'ai été patiente. Même s'il ne répondait pas à mes appels, je lui ai envoyé des textos lui disant que je suis là, qu'il peut toujours me parler. J'ai essayé d'être présente le plus possible. Mm-hmm. Et puis, il n'y a rien. Il y a 2-3 semaines à peu près, il commence à refaire une timide réapparition. Oui. Bon, et puis, pof, il me lâche, voilà, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux m'aider? Bon, bah, je lui dis, écoute, quand même, tu ne me demandes pas ça par texto, tu viens, on en parle. Oui. Bon, et puis, il est gêné, il me dit, franchement, je suis très gênée de te demander ça, si je te demande ça, c'est que vraiment, je suis dans la merde. Oui, c'était une somme importante ou... Non, pas très importante. Non, je m'attendais à plus, mais en fin de compte, non, pas du tout. Bon, je lui dis, écoute, ben demain, je viens te chercher du boulot et on rentre ensemble. Il me dit, ok, si tu veux. Il avait l'air d'être content et effectivement, je vais à son travail, je le récupère en voiture. Puis sur la route, il n'a pas pipé mot. Rien du tout. Ou peut-être 2-3 choses, des banalités. Bon, on arrive à la maison, je lui donne l'enveloppe, puis il était... Ça se voyait qu'il était vraiment gêné d'accepter ça. Il m'a remercié des centaines de fois, il est rentré chez lui. Oui, auparavant, il ne vous avait jamais demandé d'argent dans la relation. Non, jamais. Et depuis qu'il a pris l'enveloppe, rebelote, il ne donne plus signe de vie. Ça date de quand, ça? Ça fait 2-3 semaines. Oui, c'est court en même temps, mais... Oui, mais attends, alors, je continue toujours à essayer d'appeler. Là, maintenant, c'est carrément, il raccroche. C'est-à-dire, oui. Ah oui, complètement, il me raccroche, c'est même pas, il laisse sonner. C'est, il raccroche, et mes textos, quand je lui dis, alors ça va, quoi, il répond pas. Si je lui envoie un mail, il répond pas. Bon, j'ose pas l'appeler au bureau, mais je vais pas non plus débarquer chez lui.
Et pardon, aussi, le jour où je suis rentrée de vacances, quand il est venu me voir, et je lui dis alors qu'est-ce qui se passe, il me dit que je ne peux pas t'expliquer maintenant. Mais en tout cas, franchement, là, je suis sûre que je suis courageux et fort. Je lui dis pourquoi. Il me dit quelqu'un d'autre à ma place serait tiré une balle dans la tête. Ah oui, bon, c'est inquiétant ces propos. Oui, voilà, puis on a essayé de parler. J'ai eu peur qu'il fasse une bêtise. Oui, c'est préoccupant. Oui, voilà. C'est préoccupant. Non, t'inquiète pas. J'ai dit, écoute, on va voir un psy. Tu rentres, tu fais ta séance. Je rentre, je fais la mienne. Il n'y a pas de problème. Il me dit, non, ça n'a rien à voir. Pourquoi vous parlez de séance? Il a l'habitude d'aller consulter déjà? Non. Mais moi, je voulais. Vous aimeriez vraiment qu'il en parle? Oui. S'il ne peut pas en parler à vous, voilà, qu'il puisse au moins en parler à quelqu'un. Exactement. Je suis d'accord avec vous. C'est préoccupant, voilà, qu'il se replie sur lui comme ça. Tout à fait. Parce est-ce que vous pensez qu'il peut en parler à quelqu'un, le cousin, les relations que vous avez en commun? Non. Les amis en commun n'en savent pas plus que vous. Quand il le rencontre, il est tout souriant, tout va bien. Son frère me dit, bon, je vois bien qu'il est enfermé à la maison, mais il ne parle pas. Un cousin à lui, il me dit, ben écoute, on l'a invité plusieurs fois à aller à la plage, il ne vient pas, et s'il vient, il reste dans un coin tout seul. Et cet homme avait jusque-là sa situation, et c'est un homme qui travaille qui... Oui, il travaille très bien, il a fait Sciences Po, il a fait droit, il travaille dans une banque, il a acheté un appartement, il est très bien. Il a son petit frère chez lui qui travaille aussi. Il travaille dans une banque, donc il est salarié. Bien quand même, dans une banque. Non, mais très bien, oui. Mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que ça, il y a quelque chose qui aurait pu basculer dans sa vie. Justement, qu'est-ce qui fait qu'il ait besoin d'argent, donc il a des dettes? Oui, je pense. Il joue? Alors, non, il m'a dit parce que pendant le mois d'août, c'était Ramadan. Et le Ramadan, c'est pas trop son truc, donc il n'allait pas travailler tous les jours, donc ça a été défalqué de son salaire, et j'imagine qu'il doit avoir des frais, qu'il n'a pas pu régler toutes ses factures. Il m'a dit, voilà, c'est à cause du Ramadan, j'ai pas été travailler tout le mois. J'ai un trou. Ça vous paraît tenir la route, ça? Pour se mettre dans cet état-là? De toute façon, il a toujours été cachotier. Je me dis, bon, il a besoin de son petit jardin secret, c'est normal. Oui, mais enfin, pour devenir aussi taciturne, se replier sur lui de cette façon-là. C'est ce qui m'inquiète. Oui. C'est ce qui m'inquiète. Et puis, mercredi passé, mercredi, ça a été le pompon, il m'envoie un mail. Et il me dit, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te croiser. Si jamais on se croise, tu ne me connais pas. Je ne veux plus sentir ton odeur autour de moi. Ça me crève le cœur de te dire ça, mais c'est comme ça. Tu m'as achevé alors que j'ai rien fait. Absolument rien. Vous avez essayé de le joindre? Oui, j'ai essayé de le joindre. Oui. Et il vous raccrochait au nez. Midi, il m'a raccroché et dans la demi-heure qui suivait, j'ai trouvé ce mail. D'accord, donc c'est suite à ces appels où il vous raccrochait au nez, il vous envoie ce mail agressif. Voilà. Après, et pourtant, moi, je ne l'appelais pas tous les jours. J'imagine, je ne voulais pas lui mettre la pression, je ne voulais pas l'étouffer. Et concernant l'argent? Ah non, l'argent... C'est quand même... bien sûr, j'ai bien compris. Ce n'est pas une grosse somme, mais qu'est-ce qu'il en dit? À la fin du Parce mail, que ça reste en lien, quand même. Est-ce qu'il en parle? Il me dit, je sais ce que je te dois beaucoup, tu m'as beaucoup aidé, tralala... pour l'argent, t'inquiète pas, je te rembourserai dès que possible. Tu trouveras l'argent dans la boîte aux lettres. Dans une enveloppe dans la boîte aux lettres. Voilà, j'ai essayé de lui écrire. Je lui ai écrit un mail, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te prend? Ouais. Et puis il ne répond pas. Depuis mercredi. Enfin, votre mail en réponse, c'était des questions. C'est ça, vous lui demandiez, vous cherchiez à savoir qu'est-ce qui lui prenait. J'ai pas voulu répondre tout de suite. Je lui ai dit calme-toi, Cici, respire. Oui. Bon, vous avez bien fait. On va pas s'emporter. Je fais, mais écoute, je t'ai rien fait de mal. Non. Tu dis très. D'ailleurs, lui-même, il m'a dit, je sais ce que tu me dois. Tu me dois beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé. Oui, je l'ai aidé parce qu'on était ensemble quand même. C'était la moindre des choses. Et lui aussi m'a aidé. Pendant combien de temps, d'ailleurs, vous avez été ensemble? Depuis décembre, on est ensemble. Oui. Depuis décembre. Oui. C'est récent. Oui. C'est très récent. Oui. Mais on s'entendait. Et quand vous étiez ensemble, ça se passait bien avec cet homme? À la perfection. On dirait qu'on se connaît depuis 10 ans, que
Il connaissait mes habitudes, je connaissais les siennes, il n'était pas du tout embêtant. C'était pas... Vous dites que c'était quelqu'un de secret, vous aviez quand même remarqué oui, ça chez lui. Oui, c'était quand même quelqu'un de cachotier. Cachotier même. Oui. Cachotier, je découvrais. Qu'est-ce qui vous, comment choses. Vous le, qu'est-ce qui vous le faisait dire qu'il était cachotier? Par exemple, il sort du travail à 5h, il rentrait vers 7h et il sentait mal à l'aise le fait de rentrer en retard et il se justifiait. Et moi, j'ai fini par comprendre. À chaque fois qu'il donnait des justificatifs et des justifications, c'est qu'il y avait quelque chose à se reprocher. Oui. Mais je ne lui faisais pas de reproches. Oui. Jamais. Je ne lui ai jamais dit pourquoi tu rentres maintenant. Oui, mais vous trouviez, c'est ça, qu'il se justifiait trop. Oui, quand il avait quelque chose. Oui, par exemple, le jour de son anniversaire, au mois de mars, il devait rentrer. J'avais préparé avec des copains, des copines et tout. Et puis, il rentre super tard. Et il devait me récupérer d'ailleurs du travail parce qu'il avait ma voiture. Et il me raconte des histoires à bracadabra, comme quoi il avait fait une bêtise sur la route, que la police lui avait retiré son permis, n'importe quoi. C'est pas vrai. Bon, je lui dis, écoute, c'est pas le jour. On passe, on s'expliquera une autre fois. Et je n'ai jamais remis le sujet sur la table, par exemple. Oui, vous sentiez qu'il y avait des points qui ne, des points de sa vie qu'il ne valait mieux pas aborder parce que c'était source de tension, voire de conflit. Je me disais, je le laisse venir tout seul. Il finira, oui, mais il ne venait pas. Ah non, il ne venait pas. Moi, je tournais la page, mais je l'avais suivi. C'était énorme, c'est-à-dire, et parfois c'est bien vu d'ailleurs, plus c'est énorme, plus bon, on peut y croire, mais si ce n'est que là, c'était trop. Ah c'est non. Quelqu'un qui avait, qui, selon vous, mentait, qui avait une vie qui vous échappait. Oui. Mais que vous fermiez les yeux. Je me rappelle, il y a un mois ou deux, juste avant qu'il me demande l'argent, quand il avait commencé à faire une timide réapparition, je sais qu'il a vendu sa voiture. J'ai su, j'ai découvert qu'il avait vendu sa voiture. Et donc, je lui ai dit, t'as vendu ta voiture? Il me dit, non. Pourquoi tu me poses cette question? Je lui ai dit, non, je ne sais pas. Et puis, deux, trois jours après, je l'appelle, je lui dis, je viens te chercher du boulot. Et il me fait, oui, si tu veux. Donc, ça a confirmé qu'il avait bien vendu sa voiture. Oui. Et puis, sur le chemin, je lui dis, t'as vendu ta voiture? Il me dit, oui. Bon, sans plus. Oui, ok. Oui, alors, sur quelque chose de très banal, vendre sa voiture. Oui, mais il travaille loin de chez lui, donc... Oui, mais voilà, pourquoi vous le dissimule-t-il? Donc, c'est... Je me suis dit qu'il ne veut pas apparaître... Oui, mais... Non, mais vous rationalisez. Après, on peut toujours trouver des explications. Mais ça montre quand même un des aspects de sa personnalité. Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi banal, somme toute, un événement de la vie quotidienne qui est vendre sa voiture? Voilà, et je lui ai dit une autre fois, je viens te chercher. Il me dit non, c'est mon frère qui vient. Alors que c'est une chose impossible, je connais très bien son frère. Je lui ai dit, mais à ton âge, tu me dis ça? Tu mens. J'ai pas dit tu mens, j'ai pas utilisé le mot tu mens. J'ai dit à ton âge, tu me dis ça. Il me rappelle, il me dit qu'est-ce que ça veut dire, je suis pas un menteur. Et il m'a fait toute une histoire. Je dis attends, calme-toi. Parlez bien dans le combiné, hein, si, par moment je vous perds. Voilà. Oui, si, et... visiblement, d'après ce que vous nous racontez, là, les anecdotes du quotidien, si, c'est un homme qui avait, bon, comme nous tous, hein, plusieurs facettes, mais qui, lui, fonctionnait pas mal dans le mensonge. Il y a des zones d'ombre et vous les sentiez, ces zones d'ombre. Oui. Et d'ailleurs, vous n'y alliez pas parce que vous sentiez que ça aurait pu être explosif. Et à un moment, cela l'a été. Et là, il préfère disparaître. Oui, c'est que si je le mettais dos au mur, il s'enfonce dans les mensonges. Mmh. Oui, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien, alors je disais rien, je me taisais. C'est ce que vous pouvez faire d'ailleurs face aujourd'hui à ce mail, c'est-à-dire vous lui posez des questions, mais vous savez bien que vous n'aurez pas les réponses, en tout cas pas celles que vous attendez. J'attends. Non. Voilà. Je n'aurai jamais l'explication que j'attends depuis juillet aujourd'hui. Il ne m'a toujours pas expliqué, ni à moi ni à personne. Hein. Non. Alors il s'est peut-être mis dans une histoire un peu plus problématique là. Sûrement. Mais pourquoi me dire... Enfin, bon, voilà... Enfin, on ne sait pas, parce qu'il peut aussi exagérer le trait. C'est ça, c'est aussi embêtant, hein, avec quelqu'un qui peut mentir ou qui peut avoir
On ne sait pas, parfois c'est du mensonge, parfois ça peut être un peu de la mythomanie, on ne sait pas jusqu'où ça va, c'est pas tout à fait pareil. Et il peut aussi grossir le trait. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez ? Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne le souhaite pas, hein, si. Là, il vous dit clairement qu'il ne veut pas poursuivre cette relation. Ah oui, il crée des ruptures, il crée une rupture. Vous ne pouvez pas... Oui. Il s'isole. Il ne le fait pas qu'avec vous. Ah non, il le fait avec tout le monde. Bon, bah écoutez, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc moi, en fait, je me suis bien comportée, j'ai pas failli quelque part. Non, vous n'avez pas à culpabiliser vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à ça, parce que je veux pas avoir de regrets. Je comprends, parce que c'est angoissant par rapport aux paroles qu'il a pu tenir, mais ça relève d'une façon d'être. Vous voyez bien que plus vous cherchez à vouloir être présente, à l'aider, plus il vous rejette et plus il se montre agressif vis-à-vis de vous. Oui, souvent il me dit arrête, arrête s'il te plaît, arrête, je vais bien, laisse, je finirai par revenir, t'inquiète pas. Et ce qui est possible. Même avec ce mail de je veux plus te voir. Tout à fait, il vous envoie un mail sous le coup aussi à un moment de la colère, moi c'est ce que je comprends. Ou à un moment vous l'appelez, il ne donne pas suite et c'est plus facile d'écrire que de vous répondre. Vous répondre, il est à distance en vous écrivant. Oui, que vous a-t-il dit ? Dans le mail, il m'a dit tu sais bien que j'aime pas te faire de mal. Oui, mais c'est possible. Mais enfin, en l'occurrence, il vous en fait. Hein. Donc bon, là aussi. Oui, je lui dis le mal est fait, mais bon. Exactement. On est pas là. Exactement. Et il est probable que cet homme réapparaisse dans votre vie. Ça peut être aussi un mode de fonctionnement chez lui. Donc protégez-vous parce que il a un fonctionnement très particulier. Vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Puisque plus vous voulez être présente, plus vous voulez l'aider, plus il vous rejette. Donc laissez-le, il a cette façon-là de fonctionner. Mmh. Et vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, hein, en l'occurrence. Ben, très bien, ouais. C'est ça qui compte en plus. Oui, hein. Vraiment. Surtout par rapport à moi. Oui, j'ai bien compris que c'était par rapport à vous. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Merci, Cici. Au revoir. Une journée, vous l'avez entendu, puisque vous étiez à l'écoute d'Europe 1 aujourd'hui. On fête les 30 ans, la disparition de Georges Brassens. Donc, vous avez entendu du Georges Brassens toute la journée et ça continue encore cette nuit. On va avoir 4 chansons de Georges Brassens tout au long de cette nuit. Un petit message de Chris pour Cici qui dit « Inutile d'insister, une histoire se construit à deux, il est mal face à lui-même et il fuit », nous dit Chris. Et on accueille maintenant Lou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Lou. Déjà, je voulais vous remercier de m'accueillir dans votre émission. Je vous en prie. Je vous appelle en fait parce que ça fait plusieurs années que je souffre de troubles du comportement alimentaire. J'ai d'abord eu plusieurs années de boulimie. En fait, ça a commencé dans mes années de collège. Puis j'ai fait l'anorexie il n'y a pas très longtemps. J'ai été hospitalisée. Et assez rapidement, en fait, je suis retombée dans la boulimie. Mais j'avais jamais connu ça, en fait. C'est une boulimie où je peux vider 50 euros tous les jours de mon porte-monnaie. Essentiellement sans effet compensatoire derrière, donc je prends énormément de poids. Donc au début, tout le monde autour de moi était ravi parce que voilà, il me voyait prendre du poids et il voyait ça comme une guérison. Mm-hmm. En fait, j'étais extrêmement mal, je le disais, au début on n'entendait pas. Et puis au bout d'un moment, mon médecin s'est rendu compte que la prise de poids était très importante. Alors que durant mon anorexie, je me faisais rouspéter parce que je perdais du poids, là c'était l'inverse. Je me faisais rouspéter parce que j'en prenais trop. Et là aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je craque un peu en fait. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment.
Quels soins avoir, comment procéder pour m'en sortir, je vois plus, vraiment je ne vois plus de fin. Et j'ai l'impression d'avoir en fait tout en main et que pourtant, enfin, je me dis qu'il y a tellement de personnes qui ont rien autour d'elles et qui pourtant s'en sortent, et bien moi j'ai tout et pourtant je suis quand même très très suivie, je vois nutritionniste, Oui. psychologue, psychiatre, voilà, j'ai une famille autour de moi qui... Enfin, j'ai quand même des êtres qui m'aiment et qui m'entourent. J'ai des amis que j'ai gardés qui me sont très très chers. Voilà, je sais que certains en plus me jugent pas et ça pour moi c'est extrêmement important parce que aujourd'hui j'ai très peur des regards des autres. Voilà, je fais des études qui me passionnent et que j'adore et c'est la première fois qu'en cours je suis aussi attentive Qu'est-ce et que je vous ne porte faites pas comme étude? des études d'orthophonie. D'accord. Et ça me passionne réellement et c'est la première fois que je suis en cours et je pense pas à la nourriture. Je Ah, c'est pense important que ça. Oui, vous avez c'est un extrêmement important. centre. Oui, vous n'êtes plus obsédé par la nourriture quand vous Voilà, êtes en cours. oui, c'est vraiment le seul moment. Oui. En revanche, je sais que dès que je sors de cours, c'est tous les jours le même topo. Oui. Je vais au supermarché et j'achète, 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 je rentre chez moi et je mange tout à enfin, je mange tout ce que je viens d'acheter et après, du Oui. coup, pendant toute la soirée, je peux être extrêmement mal Oui. jusqu'à parfois avoir des idées très très noires. Et voilà, j'ai caché assez longtemps ce mal-être que j'avais depuis la rentrée en fait. C'était tous les jours la même chose. Je le cachais à mes parents parce que je ne vivais plus avec eux en fait. Et là, la semaine dernière, j'ai craqué, je leur ai dit que j'en pouvais plus, que c'était plus possible, que j'arrivais plus à continuer, et qu'il fallait faire quelque chose parce que j'arrivais plus. Et le problème, c'est que ce quelque chose, je sais pas ce que c'est en fait. Je sais pas ce que je dois faire en fait pour Oui, m'en parce que vous sortir. êtes prise en charge à la fois donc par des médecins psychiatres, psychologues, nutritionnistes, et vous avez l'impression que malgré tout, il y a toujours ces pulsions vis-à-vis de la nourriture qui sont là. Ouais. Oui, vous n'arrivez pas à exercer un contrôle. Non, non, Mais aucun. ça a évolué. Ça a évolué parce que vous êtes passé. Du contrôle de rien faire rentrer dans votre corps à aujourd'hui, bon, au contraire, vous nourrir. Donc, c'est le signe, ça passe par des étapes, hein, Lou. Alors, évidemment, ça vous culpabilise beaucoup. Il y a toujours un rapport culpabilisé à la nourriture. Mais il faut peut-être accepter qu'il y ait des étapes. Qu'on passe pas comme ça par des processus de, vous voyez que la guérison peut être un long chemin. Ouais, je sais bien, mais en attendant, je prends quand même beaucoup de poids et du très mauvais poids. Oui, alors vous dites que vous vous faites disputer quand vous étiez anorexique, que vous vous faites disputer aujourd'hui que vous prenez trop de poids, alors par qui? Surtout par mon médecin, en fait. Mais quel médecin? Médecin généraliste. Oui, mais justement, enfin, là, le médecin généraliste, qu'en disent les médecins un peu plus spécialisés, en l'occurrence? Parce que je trouve que vous prenez du mauvais poids. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, le mauvais poids. Pour le moment, il y a quelque chose par rapport. Il y a un moment, l'anorexie vous mettait en danger et en danger de mort. Hein, c'était votre vie qui était en danger. Alors là, bon, la nourriture reste toujours une obsession, pour vous. Bon, enfin, quelque chose que vous transposez d'une angoisse, qui se transpose sur la nourriture. Pourquoi ce rapport à la nourriture? Bon, il y a quelque chose lié à votre histoire, hein, mais aujourd'hui, au moins, la nourriture, elle est quand même plus source de vie. Parce que peut-être que vous prenez du poids,
trop, la courbe de poids est trop importante selon votre médecin généraliste, mais ça peut à un moment, je veux dire, se stabiliser. Vous voyez, ça peut beaucoup plus que si on en perd trop, qu'on se retrouve aux urgences et qu'on fait un arrêt cardiaque parce qu'on est dans un état de maigreur tel qu'on peut plus vivre. Oui, c'est vrai, mais au début, quand j'étais encore très très maigre et que j'ai commencé petit à petit à prendre du poids, oui, en mangeant, je commençais en fait la prise de poids. Je veux dire, j'aimais une alimentation normale. J'étais très maigre et puis après il y a eu la boulimie et du coup j'ai pris du poids, mais le poids que j'ai pris n'a jamais été de façon je sais pas comment dire, mais saine, entre guillemets. Quoi. Anarchique, certainement. Oui, un peu anarchique, oui. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, quand je mangeais, peut-être un peu trop, mais je mangeais, en fait, j'étais heureuse. Parce que je me disais, ça y est, enfin, j'arrive à manger des choses que je n'arrivais pas à manger. Mais vous aviez raison d'être heureuse. Oui, voilà. C'est de la vie qui reprend, ça. Mais le problème, c'est que maintenant, ça fait un an. Oui, mais un an, c'est au regard de... C'est peu de choses, hein. L'anorexie a commencé à quel âge chez vous, Lou? Je ne sais plus quel âge j'avais exactement. Je vais avoir 15-16 ans. Et vous avez quel âge aujourd'hui? 18 ans. Oui, mais c'est très peu un an, hein. Ça vous paraît long quand vous êtes dedans et qu'il y a cette obsession-là. Mais vous aviez raison d'être heureuse parce que c'est une victoire sur l'anorexie. Remanger, c'est une victoire sur l'anorexie. Bah pour moi, c'était revivre, en fait. Mais évidemment, complètement. Mais aujourd'hui, au contraire, j'ai l'impression que ça me tue. Non, non, non. Ça ne vous tue pas. Ça vous culpabilise. C'est différent. C'est la culpabilité qui vous agresse. En revanche, c'est ce rapport à votre corps où, d'une façon ou d'une autre, que vous le malmenez, soit en le privant complètement de nourriture, soit en lui en donnant trop. Alors, en le privant de nourriture... Vous le privez aussi, vous le rendez extrêmement maigre, voire décharné. Vous le privez aussi d'une apparence de féminité. Pour une jeune femme, c'est faire en sorte aussi qu'il soit plus du tout désirable, parfois. C'est aussi, ça peut être se protéger de quelque chose. Soit, parfois aussi prendre beaucoup de poids. C'est aussi, ça peut être aussi se protéger de quelque chose. C'est se remplir, combler un vide, combler, mais c'est aussi se protéger, faire en sorte dans les deux sens. Hein. Mais au départ, vous avez raison de dire que c'était une victoire et vous pouviez être heureuse. Alors. Je ne sais pas combien vous avez pris en un an pour que votre généraliste vous dispute comme ça à ce point-là. Bah en fait, c'est surtout que la prise de poids était très 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 rapide. En quelques mois, j'ai pris plus que ce que j'avais perdu, en fait. Oui, mais vous aviez perdu beaucoup. Oui. Eh oui. Et qu'en dit votre médecin nutritionniste? On parle pas. En fait, elle a un travail assez particulier, plus sur la culpabilité, justement. Mais je pense que votre problème, il est là. Oui. C'est possible, mais... C'est ça qui vous ronge. C'est cette culpabilité. Beaucoup plus que cette prise de poids. Ça se porte sur ça. Mais la nourriture, elle vient combler quelque chose. Un an, c'est peu, hein, pour stabiliser ce rapport à votre corps. Donc, c'est vraiment sortir de l'anorexie,
et avoir un comportement un peu comme ça anarchique à la nourriture et manger dans l'excès et avoir un rapport comme ça complexe, ne pas avoir encore ce sentiment de satiété, c'est vous savez pas bien faire la différence, c'est ou c'est pas assez ou c'est c'est trop. Voilà. Mais derrière ça, il y a quelque chose de plus profond, parce que derrière ce rapport à la nourriture, il y a votre histoire personnelle. C'est-à-dire qu'après, il y a beaucoup de choses affectives qui viennent se jouer dans ce rapport à la nourriture. Si on s'en tient uniquement, et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes suivi bien évidemment par un nutritionniste qui lui va voir votre poids, mais aussi par un psychiatre, par un psychologue, parce que c'est sur un plan psychique, mental que tout ça se joue. Si on s'en tient uniquement à vos kilos, et vous me parlez de ça depuis le début, on passe à côté du réel problème, hein. Et vous le savez, Lou. Oui, non, c'est sûr, mais bon. C'est que moi, du coup, physiquement, je me sens très très mal, je rentre plus dans mes vêtements. Oui, mais vous me parlez pour le moment de vos kilos. Oui. Et vous me parlez de votre corps et de, bien sûr, et je l'entends, ça. Mais derrière ça, derrière ce corps dans lequel vous vous sentez mal et que vous malmenez, il faudrait comprendre pourquoi vous le malmenez autant, ce corps. Soit en le privant de nourriture, soit en lui donnant trop à manger. Alors que votre corps, eh bien, c'est votre maison et qu'il faudrait pouvoir arriver à en prendre soin. Et puis votre corps aussi, quand on est une jeune femme de 18 ans, c'est aussi, peut-être, ça pourrait être, le lieu de désir, et c'est peut-être aussi cela qui vous fait très peur. Alors, on peut l'affamer pour faire en sorte qu'il ne suscite plus le désir, ou au contraire, le rendre parfois très très différent, se faire grossir, se faire pour justement que là non plus il ne suscite plus de désir. On se protège, on met des kilos entre soi et les autres, et on se protège. Marie dit « La boulimie est une addiction douloureuse, une prison dont on met du temps à sortir. J'en suis sortie après 6 ans de combat. Courage, la vie est là. » Et puis, il y a quelqu'un qui dit « J'étais anorexique et boulimique de 14 à 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18, tout est fini. Donc, courage à Lou, la guérison est longue, mais elle viendra. » Et puis un message aussi qui dit « Anorexique et boulimie sont les deux facettes de la même pièce. Une pièce qui réprime, qui... maigrit d'un refoulement dont le retour grossit. C'est une répression de soi-même. » Donc il faut comprendre ce qu'il y a derrière, hein, ça. Et c'est à travailler ce que vous faites avec vos thérapeutes. Ça peut pas se faire. Il faut accepter aussi que ce soit long. Ce qui est compliqué pour vous, j'entends bien. Parce que quand on souffre, on aimerait évidemment que ça soit plus rapide. Hein. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que c'est de pire en pire, en fait. Non, il peut y avoir des phases comme ça. Non, c'est parce que vous êtes rattrapé par la culpabilité. Mais ça ne peut pas être pire que les phases que vous décrivez où vous étiez à un moment dans l'anorexie. Hein. C'est parce que là, vous n'arrivez pas à rentrer dans vos vêtements, vous êtes dans une phase de boulimie où, qui n'est pas une boulimie où vous vous faites vomir, donc vous vous en voulez beaucoup. Et ça crée des idées très sombres, vous vous en voulez de ça. Hein, vous culpabilisez beaucoup. Mais cette culpabilité, elle est aussi à comprendre d'où elle vient, pourquoi vous vous en voulez autant et pourquoi vous vous en... Prenez à vous, à votre corps. Votre corps, il est qu'un réceptacle. Mais cette culpabilité, elle vient de beaucoup plus loin. Et elle est liée à votre histoire, qu'il faut travailler. Et ça va bien au-delà des kilocalories. Et vous le savez.
Et c'est pour ça que c'est si compliqué aussi les thérapies d'anorexie et de boulimique, c'est que souvent on a du mal à décoller de ça, de cette problématique. C'est-à-dire que souvent en thérapie, vous ne parlez que des kilos. Perdu ou gagné, enfin voyez. Et donc c'est difficile de parler d'autre chose. Hein, c'est obsessionnel. Ouais. Donc c'est compliqué, ça complique le travail qui est fait en thérapie. Ça le complique, mais ça ne le rend pas impossible. D'autant plus que vous me dites que vous avez entrepris des études qui, vous, pour la première fois, vous intéressent, vous mobilisent, dans lesquelles vous êtes très investi. Donc là, pendant ces moments-là, ces heures où vous êtes en cours, vous ne pensez plus à la nourriture. Ça veut dire que là, l'obsession n'est pas présente. C'est une très bonne chose. Oui, ça c'est très bien. Donc ça c'est... Bon, il y a quelque chose qui se libère et qui se dégage, Lou. Il faut aussi voir cet aspect-là des choses. Quand vous étiez... moi, il y avait des moments, peut-être c'était même plus possible, ça. Donc, bon, il faut garder espoir. Mais c'est vrai que c'est un combat. Bonne chance à vous, bon courage, au revoir. Allez, des messages qui arrivent au 739-21 pour Lou. Brigitte qui dit « Votre boulimie vous donne l'occasion d'explorer vos blessures profondes à un jeune âge et de mieux aborder votre vie d'adulte ». Et puis il y a Angie qui dit « Le combat dans les troubles alimentaires, c'est de renoncer au rapport de force, paradoxal mais possible ». Et puis Marie qui dit « Une formation professionnelle m'a beaucoup aidée en plus d'une thérapie où je parlais de ma souffrance. En mûrissant, on prend de l'épaisseur sans manger ». Quelqu'un aussi qui dit « J'ai été anorexique vomisseuse il y a 12 ans. Je suis toujours sur mes gardes car je sais que les rechutes ne sont jamais très loin ». Bonsoir Christine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je voudrais vous dire que j'aime beaucoup vos émissions. Vous répondez avec beaucoup de tact et d'intelligence et de patience. C'est sans doute ce qui me manque avec mon fils. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec votre fils ? Excusez-moi, je suis très bouleversée parce qu'il s'en va de la maison avec beaucoup de brutalité. Oui. Parce qu'il a une petite amie et il se sent très fort et il me rejette. Ça me fait énormément de peine. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je me sens... Il a été très gentil pendant 20 ans. Et maintenant, il devient même vulgaire. Et il m'a dit, plus tu t'accrocheras à moi et plus je te rejetterai. C'est très douloureux. Alors, c'est... Il vous livre en même temps une clé, même si c'est son ménagement. La clé, c'est... que je m'accroche trop à lui. Oui, en vous disant cela, même si c'est dit sans ménagement, parce que c'est toujours compliqué de voir l'oiseau quitter le nid, hein, parce qu'il a 20 ans, si j'ai bien compris, oui, c'est ça. Oui, je lui ai dit, c'est normal que tu parles, je comprends, mais c'est la manière dont tu t'y prends qui est douloureuse. Oui, c'est ça, c'est parce que, alors vous dites, il a une petite amie et il veut suivre, donc la rejoindre et partir... de votre domicile pour la rejoindre. Oui, il a commencé par les week-ends et maintenant, elle est étudiante, lui aussi, et peu importe la ville, il allait dans la ville là où elle serait. D'accord. Et il se trouve que cette ville est à combien de kilomètres de chez vous ? 300 maintenant. 300. Mmh. Ouais. Et lui, il a un projet par rapport à ça, enfin... Oui, il a un projet, mais il a du mal à trouver parce que c'est un BTS avec une formation par alternance et il ne trouve pas. Mmh. Et là, il perd déjà du temps. Mmh. Il serait resté dans notre ville qui était beaucoup plus importante, il aurait trouvé à mon avis. Mmh. Il était déjà inscrit, il a changé de lycée par rapport à elle. Mmh. Ils se connaissent depuis longtemps ? 18 mois. Oui. D'accord. Vous la connaissez, vous ? Je l'ai vue 2-3 fois. Et là, donc, pour le moment, il vit chez vous ?
Bah, il est en pointillé parce que comme il ne trouve pas et qu'il partage une chambre de 9 mètres carrés à deux, donc il se sent mal à l'aise aussi avec elle parce que il m'a dit je suis l'incruste, je me sens pas bien, je suis pas chez moi, donc il revient quand il a des entretiens d'une ville à l'autre, il fait plusieurs villes, il a des entretiens et il est nulle part en fait pour l'instant. C'est ce qui fait qu'il n'est pas forcément bien et que ça le rend un peu agressif aussi. Oui. Peut-être hein, aussi. Il a pas vraiment d'endroit où il est chez lui, il est chez elle. Oui, exactement. Et puis son projet est un peu incertain. Il a un projet, mais qu'il n'a pas concrétisé encore. Hein, donc il n'est pas posé véritablement. C'est un peu incertain pour le moment. Oui, exactement. Ouais. Bon. Mais même avant, pendant les vacances, il était très désagréable. Voire vulgaire, ça je supporte pas. Vulgaire vis-à-vis de vous? Oui. Oui, alors ça, il faut lui dire. Bah oui, je lui dis. Vous lui dites que bon, vous ne... que après tout, vous avez... Bon, que la vulgarité n'est pas de mise. Oui. Devant, il est vis-à-vis de vous là, ou vis-à-vis de son père également? Vous habitez avec son père? Ah non, on est séparés. Non. Ah, d'accord. Mais avec son père, tout va bien, c'est toujours formidable, il est cool, il ne lui pose pas de questions. Son père accepte davantage qu'il puisse s'éloigner de lui? Bah, ça fait 10 ans que nous sommes divorcés et il est resté avec moi pendant ces 10 années-là. D'accord. Et c'est votre fils unique? Non, c'est le troisième. C'est le petit dernier. Troisième enfant, exactement. Ouais. Oui, donc c'est compliqué. Encore plus dur, oui. Oui, c'est ça. C'est souvent plus compliqué pour vous, pour les parents hein, en général. C'est très dur, le petit dernier ou la petite dernière. J'imaginais pas. Je savais depuis un an qu'il allait partir. Je me préparais, mais c'est pas de se préparer que ça fait réaliser le jour même, quoi. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a le fait de réaliser que il y a plus d'enfants derrière, vous allez vous retrouver un peu face à vous-même, face au vide, c'est ça, c'est ce vide qui vous angoisse. Donc vous êtes très angoissé et donc forcément il la ressent, votre angoisse. Donc ça doit aussi lui l'angoisser et peut-être sans que vous l'imaginiez, le faire un peu culpabiliser, ça serait certainement plus facile. Ah non, parce qu'il a été très dur, il a été très loin, il m'a dit tu te suiciderais, je ne serais pas responsable. Et oui, c'est pas neutre. C'est très violent de vous dire ça. Mais ça veut dire qu'il y songe. Ça veut dire qu'il réalise à quel point vous êtes mal. Ouais. Hein? Donc, si ça le culpabilise, contrairement à ce que vous pensez. Même si, justement, il utilise des mots très forts et très violents. Ça veut dire qu'il réalise bien que c'est violent pour vous. Et donc, certainement pour lui. Parce que ça serait aussi certainement plus simple pour lui de vous savoir, vous, moins seul. Ah oui, il m'a dit « trouve-toi un copain », oui. Oui. Alors, je ne dis pas que c'est la solution pour vous, mais le fait qu'il vous dise ça... ça montre que pour lui, ça serait plus simple. Ah, ça le soulagerait, oui. Oui, oui, ça le soulagerait. Et vous, eh bien, vous auriez moins ce sentiment de vide dans votre vie. Alors, bon, là, il y a un cap qui va être un peu dur à passer, mais il vous le dit, vous ne pourrez pas l'empêcher de partir. Non. Vous ne pouvez pas. Hein, l'empêcher de partir. Et plus vous allez vouloir l'empêcher, plus vos rapports vont se tendre, vont devenir agressifs. Alors qu'il est à un âge où il a besoin de se construire, de prendre un peu d'autonomie. Bon, vous ne savez pas, après tout, il est avec cette jeune fille, ça peut durer, peut-être passer leur vie ensemble ou peut-être que ça ne durera pas. Peu importe, à la limite. L'important, c'est que vous passiez ce cap et que vous puissiez le laisser un peu s'éloigner de vous en vous disant que tout votre univers ne va pas s'écrouler. Oui. Oui, mais je lui ai bien dit, c'est la façon dont tu t'y prends...
Oui, peut-être que pour le moment, il n'a, vous savez, plus on est attaché, plus on est, c'est ce que dit Angie, hein, parfois il est plus facile de se séparer dans le conflit, surtout quand l'attachement est très profond. Donc elle ajoute peut-être aidez-le à partir. Alors c'est vrai que quand on est, vous êtes dans un tête-à-tête. Oui. Ça complique les choses. Il n'y a pas de tiers qui vous aide à vous séparer. Il n'y a pas de présence de père. À part cette fille qui, j'ai l'impression, lui parle beaucoup et le renforce et lui fait lire des livres sur, je sais pas, la psychologie de la mère. Et qui est parfois peut-être elle méchante. J'ai l'impression qu'il y a une ombre. C'est cette fille qui lui dit, mais t'en as rien à faire de ta mère. Et puis dis-lui ci, dis-lui ça, et lâche-la. Enfin, il est tellement transformé que lui tout seul n'a pas pu se transformer comme ça. Je sens quelque chose derrière. Transformé par l'amour. Oh, mais si ça le rend méchant, c'est dommage. Non, mais Christine, ne rentrez pas dans ce jeu-là, surtout, je vous en prie. Quel jeu ? Le jeu de cette rivalité avec cette jeune femme. Et pourquoi ce ne serait pas elle qui serait aussi jalouse de moi ? Parce que c'est vieux comme le monde. Oui, je sais bien. Hein, c'est vieux comme le monde. Et parce que si elle lui fait lire des livres, comme vous dites, sur la psychologie des mères et autres, c'est qu'il lui parle de vous. Sûrement. Et c'est qu'il lui dit que c'est pas simple et que vous occupez une place très importante pour lui. Donc même s'il se monte agressif vis-à-vis de vous, et c'est que au fond, ça reste quand même compliqué pour lui. Donc ne rentrez pas dans ma mère ou ma fiancée ou ma femme. Parce que la problématique, elle est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, vous l'avez élevé, vous avez veillé sur lui, et puis maintenant, il a 20 ans, il doit faire des études, il a rencontré une jeune femme qui lui plaît, et puis ben, il est amoureux, il a envie de la suivre. Bon, pour autant, il vous aime, de la même façon, mais il a le sentiment que là, vous voulez l'empêcher de vivre ce qu'il a envie de vivre. Oui, et plus il va avoir ce sentiment-là, plus là, oui, il va devenir agressif vis-à-vis de vous. Alors que si vous prenez un peu sur vous et de vous dire, bon, vous, ce lien, personne ne pourra le détruire, ce lien que vous avez avec votre fils, en disant, ben, je vais accepter qu'il s'éloigne géographiquement de moi, qu'il se construise, qu'il aille suivre cette jeune femme, et il reviendra vers vous et vous aurez des rapports d'adultes. Acceptez que votre fils grandisse un peu loin de vous. Ça préservera votre relation. Oui. C'est ce que dit le subversif qui dit « Formidable, vous avez réussi en fait votre œuvre de parent. » Il s'émancipe et maintenant il faut réussir cette étape. Il faut accepter qu'il prenne de l'autonomie. C'est vous savez, quand on a au contraire des enfants qui n'arrivent pas à quitter le nid familial, c'est plus problématique. Oui, oui. C'est plus problématique, c'est que finalement, on ne leur a pas donné suffisamment de sécurité pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Bon, parfois, il y a des contextes, hein, il y a des contextes économiques différents où ils sont partis, ils doivent revenir parce qu'ils perdent leur emploi, ils perdent. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Là, ça veut dire que vous lui avez donné suffisamment pour qu'ils puissent un peu maintenant voler de ses propres ailes. Donc, vous avez fait votre boulot. Oui. Oui, oui. Oui, mais j'aimerais qu'il me téléphone plus souvent, qu'il reste. Il le fera. Des amis, il téléphone tous les jours, les enfants téléphonent tous les jours. Il le fera. Il peut être dans une phase actuellement un peu ingrate, on va dire. Parce que il peut avoir le sentiment que justement il y a trop d'opposition, peut-être de rivalité, je vais oser le mot, entre vous et cette jeune fille. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de cette jeune fille une ennemie potentielle en disant c'est la mauvaise qui me rapte mon fils. Oui, oui, c'est tellement classique. Ouais. Hein ? Parce que là, s'ils sont une animosité, ça ne va pas bien se passer. Au contraire,
Ouvrez-lui votre porte. Faites-en une alliée. Oui. Et puis vous, eh bien, il n'est pas encore parti. Essayez de voir de quelle façon vous pouvez apprivoiser ce que vous appréhendez pour le moment, ce vide, ce nid vide, hein, qu'on appelle le nid vide, oui. Et vous dire que il y a beaucoup de choses qui restent à vivre. Vous êtes jeune, Christine, je vois, vous avez 48 ans, vous vous rendez compte? Vous avez élevé là 3 enfants, il vous reste plein de choses à vivre. C'est-à-dire que pour le moment, c'était la mère qui parlait, et vous restez mère de ces enfants. Mais je veux dire, vous pouvez vivre beaucoup de choses aussi dans votre vie de femme, et goûter un peu cette liberté. D'accord. Vraiment. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'il est important d'y réfléchir et surtout pas de le retenir. Voyez, parce que ça ne va que renforcer l'agressivité dans D'accord. vos rapports. Hein? Entendu. Voilà, merci. Bon courage à vous, Christine. Merci, au revoir. Au revoir. Rejoignez sur l'antenne d'Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté et sans tabou en appelant le 3921. Vous pouvez également nous envoyer vos messages au 73921 en les commençant par le mot nuit. Nous sommes désolés, mais il n'y a pas de courriel ce soir. J'attendais un petit peu. Je me disais que peut-être voilà, vous préfériez envoyer des SMS. Non, on vient de me dire que ça ne fonctionne pas, donc il y a un service d'astreinte. Je doute que l'on en ait avant la fin de l'émission, une heure, mais si jamais ça remarche d'ici là, je vous en ferai part. Allez, on va accueillir tout de suite Jérôme. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jérôme. Je suis très heureux de participer à l'émission. Mais moi aussi. Je suis vachement ému en plus. Voilà, donc j'avais participé à une de vos émissions il y a un an à peu près. Je sais pas si vous vous souvenez quand je devais rentrer dans un monastère. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Vous m'aviez parlé d'un livre, Défense à Dieu d'entrée. Oui, j'avais reçu l'auteur, tout à fait, oui. Oui. Je dis toujours, j'ai pas lu le bouquin, malheureusement, mais... Pas encore. Mais êtes-vous rentré dans ce monastère? Non, non, non. Je suis toujours au monastère, mais je fais des allées et venues chez moi. Vous êtes dans un monastère, mais sans être moine. Sans être rentré moine, non. Donc vous y allez pour des pour des retraites. Eux m'aident beaucoup, et en fait, je vais rentrer au mois de avant Noël dans un centre spécialisé pour bipolaire, en fait. Maladie qui s'est déclenchée vers l'âge de 12-13 ans et qui s'est déclarée en 2003. D'accord. Mmh. Voilà. Oui. Donc vous avez avancé depuis l'année dernière. J'ai vachement avancé, ouais. Oui. Ouais, ouais. Parce qu'ici, c'est un lieu de rencontre et de, oui. C'est très apostolique. Donc j'ai avancé et en fait, je voulais vous parler de quelque chose. Mmh. Oui. C'était quelque chose qui m'a amené à la mort, parce que j'ai culpabilisé, je me sentais comme un criminel, et hier j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait me pardonner, quoi. Mmh. Par rapport à ce que j'avais fait à mon frère. Donc en gros, j'ai téléphoné à Michael aujourd'hui, mon frère, et je lui ai dit que j'étais prêt à me pardonner. Lui, je ne sais pas s'il l'a fait, mais en tout cas, je sais qu'il m'aime très fort. Il était très content. Mais il est temps de se pardonner de tout le mal que j'ai fait et cette espèce de ce que j'appelle le viol que j'ai commis envers lui, quoi.
Mais c'est curieux que vous disiez « je suis prêt à me pardonner ». Vous appelez votre frère pour vous pardonner, vous ? Parce que j'étais... Surtout Mickaël, d'un viol, hein. Enfin, non, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un jeu pervers, quoi. Je me souviens plus trop, mais en tout cas, je ouais. sais que lui, en tout cas, a beaucoup souffert. Il a eu des... Mais vous aviez quel âge ? J'avais 9-10 ans. Lui en avait 4 ans de moins. Vous aviez 10 ans et lui 6. Oui. À peu près, peut-être un peu moins, je me souviens plus trop. Et en tout cas, on a parlé une fois et il m'a dit en pleurant que qu'il avait souffert énormément durant son adolescence, quoi. Et puis il avait eu des tendances, il a eu une recherche sur sa sexualité. Et, enfin, il a eu beaucoup de mal à s'en sortir à cause de ça, quoi. Il a eu des tendances homosexuelles, même si je suis très ouvert par rapport à ça, mais je sais qu'il en a souffert durant son adolescence. Il a vécu 7 ans avec une fille après, et là, il est de nouveau depuis 3 ans avec... avec un de mes meilleurs amis. Mais ça a eu lieu de façon répétée, ces attouchements. Non, ça a eu lieu qu'une fois. Par contre, il y a eu des moments de violence énormes. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Pardon ? Je l'ai envoyé à l'hôpital. Mais où étaient vos parents ? Mais mes parents étaient là, mais complètement désarmés. C'est la question que ça pose. Enfin, vous me dites que vous avez envoyé votre frère à l'hôpital et vos parents où étaient-ils, désarmés face à des enfants ? Ils se posaient pas la question de cette violence ? Ils se sont posé la question. Il y a de quoi, oui, parce que vous laissez entre votre frère qui était l'objet de telle violence jusqu'à se retrouver à l'hôpital, et vous qui aviez de tels comportements violents, enfin vous étiez différemment, mais des victimes tous les deux, ça nécessitait une prise en charge. Donc les parents, là, l'impuissance des parents est plus que problématique. Mais bon, ça n'arrivait pas non plus à chaque fois. Mais non, mais attendez, il suffit d'une fois. Oui, il suffit d'une fois, bien sûr. Et c'est de ça que je me rends coupable, quoi. Et que j'ai assez morflé, et il faut que... Non, mais vos parents, eux, étaient où ? Vous dites qu'ils étaient désarmés. Non, ils étaient à la maison. Non, mais je veux dire, vos parents... moi, ce que j'aimerais comprendre, Jérôme, c'est que ils étaient à la maison. Bon, certes, mais des enfants qui ont dans une même famille, des attouchements comme ça entre frères et sœurs. On sait que malheureusement ça peut exister, comme des attouchements sexuels entre cousins, cousines. Bon, c'est qu'il y a des interdits qui n'ont pas été posés à l'intérieur de la famille. Et je dirais que dans ces cas-là, les principaux responsables sont les parents. Alors, je ne suis pas en train de minimiser les faits qui ont eu lieu, parce que ça crée des séquelles toujours importantes pour les enfants, aussi bien l'enfant qui en a été victime que l'enfant qui a été agresseur. Mais à l'origine, les enfants ne vivent pas comme ça dans un monde où ils sont en principe livrés à eux-mêmes. Ou alors, si, livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que ça pose la question de où sont les adultes. Et les adultes peuvent être, comme vous me le dites, à la maison, c'est-à-dire présents physiquement, mais complètement absents psychiquement. Alors, votre culpabilité, je l'entends des années après. Hein, votre culpabilité d'enfant, quand vous dites j'ai morflé, bon, et que votre frère, lui aussi, soit dans une très grande souffrance, se pose des questions sur son identité sexuelle. Mais si vous voulez, il y a un dysfonctionnement familial, on n'en arrive pas par hasard à une situation où deux frères,
un frère et une sœur en arrivent à avoir des attouchements sexuels, voire plus, au sein d'une famille. C'est qu'il y a une situation comme ça incestueuse, quelque chose, des interdits qui n'ont pas été clairement posés, au sens où on n'a pas de gestes sexuels, de relations sexuelles à l'intérieur d'une famille. Et encore moins, là aussi, de violence. Vous me parlez de la violence qui a amené votre petit frère à l'hôpital. Ça veut dire que il y a laissé un enfant sadiser un autre au point que cet autre puisse être conduit comme ça, hospitalisé. Là aussi, ça montre les graves dysfonctionnements familiaux. Et d'ailleurs, à l'hôpital, je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été raconté, parce qu'il a bien fallu amener votre petit frère à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on a raconté ? Qu'il avait fait une chute ? Non, que j'avais frappé et que... Mais j'avoue qu'il aurait fallu me mettre dans un centre spécialisé. Et... Bah, il aurait fallu... C'était très mal. Il aurait fa... Oui, je suis d'accord avec vous. Il aurait fallu, en tout cas, à ce moment-là, un suivi éducatif. Il aurait fallu, pour vous, un suivi éducatif, c'est-à-dire mettre un arrêt, mettre des limites qui n'étaient pas posées par vos parents. Il aurait fallu un juge pour enfants. Il aurait fallu un suivi thérapeutique, une thérapie familiale. Je suis bien d'accord avec vous. Ouais, on avait essayé. Et voilà quoi. Vous aviez essayé ? J'avais essayé, mais j'étais totalement réfractaire à l'époque. Et je... J'étais dans le déni, j'étais dans la souffrance. Mais qui avait essayé la thérapie ? Mes parents avaient essayé de m'emmener chez un psy. Et... Mais c'était tout à fait spontané, quoi. C'était, enfin, pas spontané, ponctuel, quoi. Mais à quel âge ? Vous aviez quel âge ? Bah, j'avais 15 ans, 15-16 ans quand ça démarrait. Ouais. Enfin, c'est parce qu'ils ont appris à ce moment-là. Ils ont... Mais enfin, les violences... Non, ils l'ont appris. Ils ont bien vu que j'étais très mal. Ça démarrait à l'âge de 12 ans, que j'allais pas à l'école, que je restais dans ma chambre. Il n'y avait aucun dialogue. Je restais dans ma chambre à écouter la musique. Et puis, Michael, voilà, il y a eu des gros moments de... Voilà, quoi. Je peux pas vous dire plus. Bon. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui en parler, en dehors de, du fait que vous en parlez lorsque vous allez dans ce monastère ? Est-ce que vous êtes suivi aujourd'hui ? Oui. Et là, je vais aller dans un centre spécialisé pour bipolaire, justement, bon. Avant Noël. C'est une bonne chose. Mais voilà, j'ai assez morflé, j'ai envie de me pardonner. J'ai téléphoné à Michael et il m'a dit que il était grand temps de le faire, quoi. Parce que sinon, ça amenait à la mort. En tout cas, vous avez besoin d'exprimer, de parler de toute cette histoire et de, mais c'est une histoire et de parler de votre culpabilité. En fait. Mais c'est une chose qui me hante depuis. Oui, mais j'entends bien. C'est pour ça qu'il est important que vous en parliez. Et je vous dis, vous étiez des enfants. Vous étiez des enfants. Il y avait tout un contexte familial, certainement, qui vous dépassait, des limites qui n'avaient pas été clairement posées. Sans doute. Et encore une fois, c'est certainement très complexe. Et ça induit, on l'entend, une très grande souffrance chez vous aujourd'hui, une grande souffrance chez votre frère, mais y compris quand vos parents vous ont amené, à l'âge de 15 ans, consulter, je pense qu'une thérapie familiale aurait été essentielle. Parce que ça dysfonctionnait au sein même de votre famille, hein. Ils n'ont pas été peut-être à la hauteur à ce sujet-là, c'est sûr. Je ne sais pas quelle était leur histoire familiale, hein, parce qu'il y a des choses qui se transmettent, des valises de problèmes qui se transmettent de génération en génération, et particulièrement parfois, malheureusement, au niveau de ces histoires d'inceste.
Donc ça peut comme ça se transmettre de génération en génération. Je ne sais pas quelle est l'histoire de la famille. Ça sera important de peut-être de travailler ça vous dans le cadre de votre thérapie. En tout cas, je précise que vous étiez un enfant. C'est important aussi de remettre un peu les choses à ce niveau-là, parce que en tant qu'enfant, vous avez aussi, vous auriez eu besoin vous d'être, d'avoir un cadre autour de vous et d'avoir des limites et un cadre protecteur. Vous avez été également victime d'une certaine façon. Un enfant agresseur est aussi victime. Il y a quelque chose qu'il dit à travers son acte. Donc, bon, c'est cela aussi que vous dites quand vous dites « j'ai besoin de me pardonner ». C'est-à-dire Voilà. C'était le... Enfin, j'ai fait plusieurs TS et... Oui. J'en peux plus, quoi, de vivre cette... Ah oui. Cette souffrance. Cette souffrance. Donc, il est important que vous puissiez l'exprimer, mettre des mots dessus. Ouais. Et c'est en cela que. Je vais y arriver. Oui, vous allez y arriver, puisque en allant, à un moment, ça a été bon pour vous la religion, rentrer dans un monastère. Vous avez pu parler avec les moines qui vous ont dit que c'était pas la meilleure des choses de devenir moine, mais qu'ils pouvaient vous accueillir, parler avec eux, et puis surtout. Accepter que vous étiez en très grande souffrance et accepter de rentrer dans un centre pour bipolaire et d'être soigné. Donc ça, c'est la priorité. Mais écoutez, prenez soin de vous maintenant, Jérôme. Je voulais vous parler d'autre chose aussi. C'est la priorité. De rapidement alors. C'est que j'ai fait la rencontre de Marie ici, dans le monastère. Oui. Voilà. Marie, c'est-à-dire Marie, parce qu'il y a plein de gens qui passent ici. Et c'est grâce à elle que on entame une relation d'amitié. Et j'ai peur de. Voilà, c'est là où je me suis dit qu'il faut absolument que je me pardonne, parce que sinon, ouais, je vais tout casser encore et je vais tout. Voilà, quoi. Bon. Bah c'est important. Si cette rencontre est importante pour vous et vous on aide. On n'a pas les mêmes sentiments, c'est sûr. Mais... Bon. Mais en tout cas, ça vous aide à prendre soin de vous et à accepter que vous avez besoin d'aide. Donc c'est un premier pas pour aller mieux. D'accord. C'est ça quand vous dites aussi vous pardonner, c'est-à-dire arrêter de vous faire du mal et aller parler de votre souffrance à des professionnels qui vont pouvoir vous aider. C'est important. Mais Marie comprend bien aussi. Bon, c'est bien. C'est important. Bon courage et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir Jérôme. Au revoir. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi je voulais témoigner pour encourager cette dame qui avait beaucoup de peine que son fils partait. Ah Christine, oui. Parce que moi ça m'est arrivé pareil, seulement c'était pire parce que mon fils était avec moi, il avait 40 ans. Il était resté 40 ans avec ses parents et puis moi je suis devenue veuve, il est resté avec moi. Et puis un jour il m'a dit, écoute maman, je m'en vais 15 jours, je vais faire un stage, mais pas agressif. Il m'a dit, je vais faire un stage 15 jours, je t'écrirai, je téléphonerai. Et il a pris ses affaires, il a pris des outils, il est parti parce qu'il allait faire un stage pour son métier. Oui. Mais à 1000 kilomètres. Oui. Alors il est parti. Et puis moi, pendant ce temps-là, elle m'a dit 15 jours. J'ai profité qu'il n'était pas là pour refaire faire sa chambre complètement, parquet, papier, enfin tout, pour qu'il ait une belle chambre en revenant. Oui. Et puis qu'il soit content. C'est gentil. Ouais. Alors c'était tout neuf. Et puis quand il m'a retéléphoné, j'ai eu le gros coup de masse sur la tête. J'ai dit, tu sais, François, tu peux revenir, ta chambre est faite, j'ai fait changer la douche, t'as une pièce bien à toi pour son internet et tout. Il m'a dit, mais maman, je reviens pas. Alors là, c'est le coup de masse. Mais il avait trouvé un travail Oui, un travail, un studio avec un garage, enfin, tout. Et c'est sur la côte d'Azur. Oui.
Et alors, j'ai dit, bon, on va plus se voir, tu te rends compte, j'aurais pu me prévenir, enfin. Il m'a dit, mais maman, je te téléphonerai 2-3 fois par semaine, et puis t'inquiète pas, tu verras, tu vas t'y faire, tu vas t'habituer, il faut quand même que moi, je fasse ma vie. Et puis, il avait sûrement une petite amie qui ne m'a pas parlé. Et donc, il a eu tout un tas de bonnes intentions. Ça s'est bien passé, il faut le dire à cette dame. Il m'envoyait un livre, il m'envoyait de l'huile d'olive, il m'envoyait des petites choses comme ça. Oui. Et je me suis débrouillée tous les ans maintenant. Ça fait 3 ans qu'il est parti, je vais le voir 1 mois. Et tout, ah oui. Et tout se passe à merveille. Alors, il a oui. Évidemment, il a une petite amie. Oui, ça se passe bien avec elle. Il ne m'en parle pas. J'ai vu qu'il y avait des petites mules dans la salle de bain. D'accord. Oui, mais vous avez vu à la présence, voilà. Comme ça qu'il y avait une présence féminine. Mais j'ai pas. Mais quand vous venez, elle n'est pas là. Il ne vous l'a pas présentée. Il m'emmène chez tous ses amis. Il me présente ses amis. Mais il ne m'a pas présenté. Et pourquoi vous ne lui en parlez pas alors ça reste un peu tabou entre vous deux? Non, parce qu'il a été marié une fois 15 jours. Avec une cubaine. Court. Ah oui, c'est qu'il court. Il a été cherché, qu'il est revenu, enfin il a eu des ennuis. Oui. Alors, depuis ce jour-là, je ne vais plus jamais reparler de femme. Mais il me présente toutes ses amies, mais il ne me présente pas sa petite amie. Mm-hmm. Et puis quand je suis là, il évite de les faire venir, on va chez elle. Mm. Parce que ce sont des amis qu'il avait dans la région parisienne. Oui. Et il me les présente tous. Oui. Mais je ne sais pas laquelle c'est. C'est sympathique déjà de vous présenter tous ses amis, oui, je trouve. Oui, ses amis, les parents, tout, il est très gentil. Oui. Il est beaucoup plus gentil, loin que là. Oui, mais ça arrive souvent. Et c'est important ce que vous dites, Gisèle, et je vous remercie parce que j'espère que Christine vous entend. Oui, souvent, les rapports, des rapports qui parfois peuvent être un peu tendus, agressifs, se pacifient, deviennent plus tendres et plus. Justement, avec l'éloignement. Et puis, il m'envoie des photos. Là, je vous dis, il m'a envoyé un livre sur le guide touristique pour que je prévoie des voyages pour quand je vais y aller, qu'on ne cherche pas, que j'aille où ça me fait plaisir. Donc, c'est des intentions qu'il n'avait pas avant. Alors, je voulais dire à cette dame qu'elle ne s'en fasse pas. Avec les garçons, ça s'arrange toujours. Mais elle, c'est le dernier, je crois. C'est le plus petit. C'est le plus petit, c'est le petit dernier. Et qui a 20 ans. Oui, et je crois que c'est toujours plus compliqué pour les parents. Parce que, voilà, c'était aussi. Alors, c'était votre fils unique, vous. Ouais, moi, c'était mon bébé. Et puis, vous l'aviez eu pendant 40 ans à la maison. Oui. Ah, hormis l'interruption de 15 jours avec la cubaine. Voilà. Voilà. Bon. Alors, donc. Oui. Maintenant, bon, il est bien dans sa tête. Passez le cap où vous avez eu le coup de fil et le coup de flip où il vous a dit je ne reviens pas. Voilà, j'ai eu un petit pincement au cœur. Vraiment très fort, très noir. Je voulais plus rien faire. Je ne sortais plus. J'étais complètement catastrophée. Tout le monde me demandait mais qu'est-ce que tu as ? Parce que je suis assez vive et assez. Mais je disais, mais j'ai rien. Et puis, finalement, je leur ai dit, écoutez, mon fils est parti. Tout le monde m'a dit, mais c'est normal, à son âge, évidemment. Mais il faut dire à cette dame, elle se fait un mouron fou. Il l'a entendu. Oui, elle est angoissée parce qu'il est agressif avec elle. Alors, mais c'est vrai que j'ai reçu un petit message de Brigitte qui dit que l'agressivité de son fils aussi était à la mesure de sa difficulté à s'éloigner d'elle et qu'il faut cesser de se poser en obstacle à la construction de sa vie. Et c'est et très juste. Que sa maman se mêle pas de la jeune femme. Oh oui, vous avez raison. Alors ça, c'est la pire des choses qu'elle peut faire. Et c'est ce que dit First Lisa aussi. Il y a tellement de mères qui bousillent la vie de leur fils, donc il faut prendre de la distance. Elle éloignera son fils si elle parle mal de la jeune femme. Très juste. Voilà. Oui. Mais écoutez, merci beaucoup. Ben, je vous en prie, Caroline. Merci beaucoup. En tout cas, c'est réconfortant de voir que vous avez raison. Parfois, souvent, les relations s'améliorent avec. Oui, quand les enfants sont loin. Oui. Et puis peut-être que vous verrez un jour la jeune femme qui est cachée derrière ses mules. Peut-être. Hein, les petites mules. Je voulais vous dire, vous ne passez plus le vendredi. Non.
Non, non, l'émission a lieu du lundi au jeudi maintenant. Ah bon. Oui, oui. Je n'étais pas là quand vous l'avez annoncé. Et... Ah, vous, d'accord, oui, vous n'étiez pas là. Tous les soirs, mais oui. Ce soir, cette nuit-là, je n'étais pas là. Je suis partie 3-4 jours. Puis je reviens, je dis. Ah oui, mais parce qu'il y avait en début d'année, il y avait encore. Il n'y avait pas la reprise de Taratata. De Taratata, c'est ce que voilà, j'ai donc pensé. En début d'année, il n'y avait pas. Il nous ennuie, Nagui. Voilà. Ah, ben bah, c'est. Ah, ben bah, il ne serait pas content. Non, alors donc maintenant, voilà. France 2 a remis Taratata, le diffuse en partenariat avec Europe 1 en direct. Hein, donc, et pour qu'on soit coordonnés, ça commence plus tôt, ça commence à 23h30. Vous avez quand même donc, 5 jours très remplis. Oui. Donc voilà, moi je suis là du lundi au jeudi. Du lundi au jeudi. Voilà, donc pour m'appeler maintenant, c'est du lundi au jeudi et alors puis vendredi. Vous avez des cas exceptionnels à qui vous répondez d'une façon droite et ça me fascine. Ah ben il y a des cas, c'est la diversité aussi qui est intéressante hein, dans cette libre avec, antenne. La dextérité avec laquelle vous leur répondez. Ah, écoutez, ça je vous remercie, mais bon, avec votre aide aussi, c'est important qu'on partage ensemble les expériences. Hein, donc c'est une très très bonne émission, faut pas nous la retirer. Ah oh, mais c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu, rassurez-vous, Gisèle. Non, c'est. Je m'endors tous les jours avec votre émission à une heure. Non, non, mais c'est pas à l'ordre du jour, hein, vraiment. Non, bah tant mieux. Il y a Patrick qui dit quoi qu'on en dise et peu importe les circonstances, le lâcher prise est toujours dur. Donc c'est une façon de dire que bah vous avez quand même bien voilà. Fait face. Voilà. Bien fait face à la situation. Ben, je suis contente de vous avoir entendu. Mais moi aussi. Voilà. Je vous dis bonsoir. Moi aussi, je vous embrasse. Et puis peut-être que vous pourrez joindre cette dame. Ben, j'espère qu'elle vous aura entendu, parce que je pense que votre témoignage est très réconfortant pour elle. Vous pouvez lui donner mon numéro de téléphone, si vous voulez, si elle vous rappelle. Ah, bah écoutez, le numéro que vous avez communiqué au standard. Oui, je l'ai donné à votre assistante. D'accord, bah écoutez, alors on va lui transmettre. Si ça peut l'encourager. Bah, merci puis, beaucoup. Voilà. Merci bonsoir, de votre soutien. Caroline. Au revoir Gisèle. Allez, on va accueillir Delphine. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Delphine. Voilà, je voulais intervenir par rapport à Lou. Oui. Lou, c'était la jeune fille qui avait des troubles du comportement alimentaire. Tout à fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous aviez dit tout à l'heure, elle était, quand elle était dans la phase anorexique, elle était dans la phase danger au niveau de sa vie. Et de l'autre côté, elle se plaint maintenant qu'elle mange trop, qu'elle se remplit, un peu comme vous avez dit. Oui. Elle se plaint d'avoir pris trop de poids. Alors elle dit aussi qu'elle a beaucoup, beaucoup de personnes autour d'elle, qu'elle a ses parents, des amis, des médecins, nutritionnistes, généralistes, etc. Et moi, la petite chose qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de gens autour, mais qu'elle est assez seule. C'est-à-dire que quand elle sort de son cours où elle est bien, elle rentre, elle va faire les courses. Et au lieu de faire, comme fait tout le monde, mettre les choses dans le frigo, préparer à manger, elle cuisine ce qu'elle a pris et elle se remplit avec ce qu'elle a pris. Mmh. Et il faudrait peut-être qu'elle trouve quelqu'un qui casse cette espèce de cercle vicieux que certaines personnes ont avec la nourriture, parce qu'elle a retrouvé effectivement le goût de manger, ce qui est une très bonne chose. Oui. Hein ? Donc il faut qu'elle continue sur cette lancée. Mais même son nutritionniste, vous voyez, moi, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que même le nutritionniste n'a pas mis le frein. C'est-à-dire qu'elle pourrait reprendre de la nourriture, aller manger avec quelqu'un, ou chez ses parents, ou à l'extérieur, et manger, manger un repas, vous voyez, et non pas se remplir. C'est très juste, oui. Et le fait qu'elle soit tellement, tellement poussée, par son désir de professionnel au niveau de l'orthophonie, elle en a. On voit bien que quand elle en parle, elle rayonne au niveau de sa voix. Il y a quelque chose comme un élan. Et moi, c'est aussi bon qu'angoissant parce que moi, j'ai vécu la situation dans laquelle elle est et la personne, elle est plus là. C'est-à-dire que moi, j'ai senti en elle une même quand elle a raccroché cette angoisse qu'elle a. C'est comme si elle avait quelque chose encore à dire et qu'elle était partie
en laissant cette chose en suspens. Il faut qu'elle... Mais il y a toujours quelque chose en suspens. Ah bah oui. C'est un peu le problème. Oui, hein, c'est-à-dire c'est ce que je lui disais. Oui, c'est ça. Vous avez essayé d'ouvrir une porte et elle a été... elle a bloqué sur cette porte que vous lui avez ouverte. C'est-à-dire la relation physique, c'est-à-dire le fait de se détruire physiquement, soit en étant trop décharné, soit en étant trop ronde. Ouais. Avoir qu'un rapport un petit peu peut-être... d'un problème qu'il y avait eu avec son corps quand elle était avec peut-être une relation un peu malsaine qu'elle ait eue avec quelqu'un qui ait fait qu'elle se soit se soit privée de nourriture ou au contraire de se remplir pour enlever ça quoi. Vous lui avez tendu une perche qu'elle n'a pas prise. Non. Moi, je l'ai bien compris. Que je respecte. Hein, c'est voilà, il y a des choses parfois d'ailleurs. Il y a des choses qui sont dites parfois au standard dont j'ai connaissance. Et qui ne sont pas dites à l'antenne. Oui, ça, mais je l'ai bien compris. Donc, après tout, c'est aussi le choix de l'intervenant, de parfois développer certaines choses au standard et puis de ne pas les dire, ou l'inverse, hein, d'ailleurs, l'inverse. C'est pour ça, d'ailleurs, que je parle ce soir, parce que, ayant vécu familialement un problème analogue, j'ai senti, moi, le fait que c'est un petit peu comme Jérôme, ils sont dans la bascule, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut tendre et leur tendre une perche. Alors peut-être que le monastère où est Jérôme, c'est la même chose. Si vous voulez, ils sont dans une charnière où le mal est tellement fort qu'ils sont sur la tangente de basculer. Je ne sais pas si vous avez dû le sentir aussi dans le métier où vous êtes. Et moi, ça a été flagrant parce que dans la voix, il y a toujours ce mot. C'est comme s'il y avait quelque chose au-dessus, un espèce de nuage noir, vous voyez, qui est toujours là. Alors il passe à côté et il faut continuer qu'il passe à côté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'en éloigne. Ce qui est plutôt rassurant dans le cas de Lou, c'est qu'il y a quand même une prise en charge autour d'elle. Psychiatre, psychologue et autres. Mais là où je vous rejoins, justement, le fait qu'elle ait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids comme ça, que aucun médecin, ni généraliste, ni psychologue, ni nutritionniste n'ait mis barrière là-dessus. Moi, ça me, il y a quelque chose qui manque. Mais si le médecin généraliste met des barrières, mais moi je trouve ça un peu préoccupant parce que on sait qu'il y a. Non, mais pas des barrières dans ce style-là. Vous aviez raison. C'est pas la barrière dans ce style-là. Ah, là, je vous rejoins dans le sens. On ne sait pas après, hein, aussi. Peut-être qu'il y a eu des choses de dites que Lou ne nous a pas dites, hein, aussi. On rapporte un certain aspect des choses. C'est toujours subjectif, hein, les témoignages. Tout à fait. Maintenant, je vous rejoins dans le fait que c'est pas simple de se retrouver seul dans l'aspect très, très, concret, pragmatique, vous dites finalement de se retrouver seule et devoir cuisiner. Je ne suis même pas certaine qu'elle cuisine. Non, c'est même pas une histoire de cuisiner. C'est-à-dire que non, là, elle doit prendre des produits, je ne sais pas. Elle doit prendre... Moi, ce qui peut-être m'a tout fait, d'ailleurs. Aussi, c'est de mettre le lien qu'elle n'a pas apparemment ou qu'elle n'a pas eu encore, c'est-à-dire de se faire vomir. Moi, oui, mais elle ne le fait pas, tant mieux. Elle va prendre le pas de faire dans l'autre sens. Pas forcément. Non, c'est moi, je trouve ça plutôt constructif. Elle ne se fait pas vomir. Alors, oui, ça la culpabilise, mais très bien. Le fait de lui en avoir parlé ne peut pas lui donner une idée. Non, je ne crois pas. Non, pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme elle ça. Le sait, hein. Elle est loin d'être sotte. Non. Elle le sait, oui. Elle le sait très bien. Elle le sait. Elle a dit d'ailleurs une phrase qui sous-entendait qu'elle avait eu des phases comme ça. Puisqu'elle a dit compensatoire, quelque chose. J'ai pas de elle a parlé, elle a dit quelque chose. Actuellement, je suis dans une phase de boulimie où j'ai pas quelque chose de compensatoire. Compensatoire, c'est effectivement se remplir et puis après se vider en se faisant vomir. C'est un moyen qu'ils ont. Donc c'est très bien qu'elle se remplisse. C'est une autodéfense de se remplir. Oui, c'est voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est très bien, c'est une phase. Mais en revanche, peut-être que si elle était plus entourée et peut-être dans un cadre autour d'elle, le fait de partager un repas serait plus simple. C'est pas une question d'être oppressée ou entourée. Elle est entourée de beaucoup de personnes, mais quelque part, à un moment T où justement il y aurait besoin de quelqu'un qui intervienne, qui ne soit pas là tout le temps, mais qui soit là peut-être pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, et, si vous voulez, ça l'empêcherait de se remplir comme elle fait. Alors en même temps, vous savez, c'est compliqué parce que l'entourage, dans l'anorexie, les jeunes filles cuisinent beaucoup.
sont très autoritaires, très directives. Souvent, c'est elles qui prennent en charge tout ça. Elles surveillent l'alimentation de leurs proches et elles, pour leur faire avaler quoi que ce soit, ça marche pas. Bon, les jeunes filles boulimiques, c'est pareil, elles mangent à part, hein. Elles mangent des trucs, bon. Donc, c'est pas le fait qu'elles soient dans un entourage familial qui peut les aider. Donc, c'est souvent, vous voyez, l'entourage, c'est à double tranchant, hein. Elle avait l'air ravie d'avoir repris de la nourriture. Je sais pas si vous avez remarqué, elle avait l'air de dire, je remange. Comme si c'était quelque chose de miraculeux. Je remange. Oui. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas trouvé encore la clé de remanger et en ayant un poids qu'elle accepte, elle. C'est ça qu'il faut qu'elle... Et ça, normalement, l'équipe qui était autour d'elle aurait dû... je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et là, elle est en souffrance parce qu'elle n'arrive pas, justement, à trouver quelqu'un qui stoppe l'élan du truc de la balance qui grimpe. Alors, je reçois un message signé intemporel et qui dit l'orthophonie, hein, puisque Lou nous disait qu'elle faisait des études d'orthophonie et que pour la première fois, elle était passionnée par ses études et que quand elle était en cours, elle ne pensait plus à la nourriture. Oui, et intemporel dit l'orthophonie, c'est encore un lien avec la bouche. Mmh. Oui, c'est très juste. Oui, c'est une réflexion très, très judicieuse, mais c'est intéressant parce que justement, là, c'est l'oralité, mais cette fois-ci, on met des mots. Et peut-être que justement, Lou nous disait que quand elle était en cours, elle était plus obsédée par la nourriture. Et il y a quelque chose qui va pouvoir se développer autrement au niveau de l'oralité, à travers les mots qu'elle va pouvoir dire, parler d'elle, de son histoire, au lieu de l'agir. C'est-à-dire que l'orthophonie, c'est aussi des gens qui ont des problèmes d'expression ou de parler. Oui, mais elle se dirige vers cette voie-là. Oui, mais elle se avant dirige... d'aider les autres, elle n'a pas choisi n'importe quelle voie. Oui, justement. Elle a choisi celle-là, mais moi, la personne à laquelle je pense avait pris une orientation pour laquelle elle était extrêmement passionnée. Et quelques temps après, moi, je croyais que... Pour ainsi dire, elle était sortie d'affaire, elle recommençait à manger. Bon, elle était toujours dans sa problème d'anorexie avec de difficultés de prendre de la nourriture, mais elle allait beaucoup mieux. Moi, je l'avais vue, elle était bien et tout. Elle avait donc ses études et tout. Et quelques semaines plus tard, il n'y avait plus... c'était catastrophique, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ils sont dans un excès, un peu, ça me fait penser un peu à la bipolarité de tout à l'heure. C'est des personnes qui sont au niveau de la nourriture et de leur apparence, ça va pas. Et quand ils parlent de leur orientation ou de leurs études, c'est très très euphorique, très c'est des choses à double tranchant. Donc quelque part, parce qu'on investit, on investit beaucoup la sphère intellectuelle. Il y a un milieu pur esprit où effectivement ça et le corps est rejeté. En tout cas, merci beaucoup de votre intervention, Delphine, et de vos réflexions. Il faut qu'elle s'accroche et puis il faut qu'elle peut-être aller manger par exemple au restaurant avec ses copines ou quelque chose comme ça. Ouais. Qu'elle essaye d'avoir quand elle un rapport avec la nourriture qui lui soit plaisant et qui ne suit pas la chose qu'elle est en train de faire actuellement et qui la dérange, c'est-à-dire faire ses courses, rentrer chez elle et avaler sans mettre dans son frigo, c'est-à-dire manger ce qu'elle avale. Merci beaucoup de votre intervention. Bon courage à petite Lou. Merci, au revoir Delphine. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle. Je profite du fait que, bien que bénéficiant d'une visite et d'un hébergement, mon fils n'est pas chez moi ce soir, donc je peux en parler un peu librement sans risquer de le gêner éventuellement. Voilà, j'ai légèrement dépassé la quarantaine et j'ai un fils de 14 ans et demi, ainsi qu'une fillette de 11 ans. Oui. Et mon fils, depuis la rentrée scolaire, et ça je m'explique mal, alors j'imagine tout un tas de choses, et à la lumière en plus de tout ce que vous dites, parce que j'ai un héritage familial assez lourd, on a, comme on dit vulgairement, on a pas mal de casseroles,
Et donc, je me dis, est-ce que ça serait pas ça, par capillarité, que j'aurais peut-être transmis, ou qu'on aurait transmis à mon fils, et que qu'il intoxiquerait, entre guillemets. Parce que depuis septembre, là, ça a été un peu le catalyseur, on va dire, depuis septembre, oui. et l'entrée au lycée, eh ben, il développe, je dirais, une espèce de phobie scolaire. Enfin, il a des crises, ça se traduit par de l'angoisse, oui. De la spasmophilie. On m'a dit que c'était plutôt féminin, d'ailleurs, mais lui, apparemment, c'est... Je l'ai vu en crise, d'ailleurs, c'est... Enfin, le pronostic vital n'est pas engagé, donc on relativise, mais c'est impressionnant, quand même, parce qu'il est en souffrance, alors ne serait-ce que pour ça, c'est chaud, quoi. Et le matin, parce qu'il vit chez mon ex-épouse, et oui. Le matin, elle se demande si il va être en mesure d'aller au lycée. Mmh. Et c'est depuis. Et alors, j'en ai parlé, mais ce matin, on m'a contacté au travail, mais j'étais encore au travail, parce que je travaille la nuit. Et mon ex-épouse m'a contacté pour que je le dépose, mais j'ai dit, moi, je suis au travail, là, j'ai deux clients en face de moi, enfin, c'était compliqué, on va dire. Et alors, on n'en est même plus au stade de se dire, est-ce que les notes vont être potables, est-ce qu'il va pouvoir suivre. L'année de seconde, on est au stade, c'est même plus le problème, on est au stade de se dire est-ce que ce matin il va être en mesure d'y aller. Oui. Oui, il est très angoissé. Il est extrêmement angoissé, et moi c'est vrai que ça fait écho à quelque chose chez moi, chez la maman aussi, je pense. Parce que, oui, qu'est-ce que c'est ces casseroles? Quel lien faites-vous avec vos casseroles personnelles qui pourraient avoir des répercussions selon vous sur lui? Pas forcément, enfin, je ne souhaite pas. Hein. Non, mais à quoi pensez-vous? Bah, disons, j'ai eu. On a eu, enfin, lorsque j'étais enfant, j'ai eu une première partie d'enfance assez, comment dirais-je, on va dire, où j'ai cumulé, quoi. C'est terrible, quoi. J'en ai parlé un jour à un copain, on se confiait des choses et des machins. Et lui, il me confiait ses orientations sexuelles, il s'était découvert homosexuel, donc est-ce que ça me choquait? Bah, je dis non, moi, ça me choque pas. Et moi, du coup, je lui ai parlé un peu, on se racontait nos vies, donc je lui ai parlé un peu de ma vie. Et il m'a regardé, il m'a dit, on voit ça, enfin. Moi, je n'ai pas beaucoup de recul parce que j'ai mon exemple personnel. Donc, il me dit, on voit ça que dans les scénarios, au cinéma, quoi, dans les mauvaises séries, quoi. Il dit, c'est vrai que tu as cumulé. Hein. Enfin, moi-même, puis surtout aussi mes frères, mes soeurs, enfin, des difficultés familiales. Quoi. Et donc, je me demande si aujourd'hui, enfin, j'espère pas, mais est-ce que c'est pas tout ce passé qui... Parce qu'il paraît qu'on transmet des choses, on peut transmettre oui. Un héritage familial par capillarité. Moi, je trouve ça assez effrayant, parce que moi, je le fuis comme la peste. C'est une partie de mon héritage, de mon enfance, que je fuis alors, comme la peste. Mais pour moi, c'est... De toute façon, le passé, c'est le passé, on ne peut pas revenir dessus. Pourquoi, selon vous, à ce moment-là, de la vie de votre fils, c'était l'âge, à 14 ans, il s'est passé quelque chose de particulier pour vous ? Ce qui est curieux, c'est que moi, c'était beaucoup plus tôt. Enfin c'était bon, ça tôt. S'est étalé un peu dans le temps, parce qu'il y avait des répercussions. Mais c'était beaucoup plus tôt, quoi. Je veux dire, à 8 ans, en gros, je connaissais à peu près tout ce qu'il ne fallait pas connaître, quoi. Donc c'est assez... Enfin, et je veux dans dire, la vie de sa mère ? Bah, eux, c'est compliqué aussi, parce qu'ils ont un héritage familial douloureux, je ne sais pas tout, mais je sais qu'ils ont perdu, enfin... Il y a eu des pertes d'enfants, enfin, au moins un, il y a, suite à un accident domestique, je crois, une électrocution, elle a perdu un jeune frère, mon ex-épouse. Et c'est une des premières choses qu'elle m'a racontée, parce qu'on s'est raconté, on se raconte bon, quand on rencontre quelqu'un, parce que, en fait, j'ai une histoire avec mon ex-femme qui est assez atypique, parce qu'il y a 23 ans que je la connais, on s'est fréquentés, on va dire, 2 ans, on avait une vingtaine d'années, puis on s'est séparés, puis on s'est retrouvés 6 ou 7 ans plus tard. Et en fait, on a eu entre-temps, elle avait eu une petite fille, qui maintenant est grande, et on a eu nos 2 enfants ensemble. Et on s'est séparés. On s'est reséparés, on va dire. Mais on n'est pas. Enfin, c'est curieux parce qu'elle a refait sa vie, elle a un ami. Mais c'est marrant, on a un lien. Enfin, c'est curieux, enfin. C'est assez curieux, enfin, ça doit être le fait d'avoir des enfants ensemble aussi. Mais je sais pas, on a un lien. Enfin, je sais pas, je sais pas si elle le ressent comme tel, mais moi, je me sens un lien avec elle. Par rapport à votre fils, ça a commencé dès le début, sa phobie. Eh ben, dès son entrée, là, il est en quelle classe là? Eh ben, troisième. Jusqu'en troisième, ça se passait très bien. Il est en seconde là. Oui, voilà. Mais le problème, c'est qu'ils jusque pas là, il marchait bien. Ouais. Bah, ça fonctionnait. Ça s'est manifesté dès les premiers temps. Bah, dès l'entrée au lycée. Alors, j'en ai parlé à une collègue, elle m'a dit, tu sais pas s'il serait pas victime de raquettes ou de choses comme ça, ou si... Puis bon, il ne dit rien là-dessus, il n'en parle pas.
Non, puis en plus, c'est du premier jour, donc... Bon, en tout cas, il est important, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, donc c'est pour ça que je vous bouscule un peu, hein, j'en suis désolée, Nicolas, mais il est important de ne pas le laisser s'enfermer dans cette phobie, parce que ça ne peut pas aller en s'arrangeant tout seul. Ah non, c'est ça. Mais il voit quelqu'un, hein. Il voit une... Enfin, il y a une association de psychologues qui consulte des adolescents. À l'extérieur, ils sont à l'extérieur du lycée. Voilà, oui, c'est pas le psychologue du lycée. Hein. D'accord. Et il y va toutes les semaines actuellement. Bah, il y est allé cet après-midi. Enfin, moi, je l'ai attendu, j'assiste pas aux séances, hein, oui. Personnel. Oui. Et je le ramène demain parce que je travaille pas. Et donc j'en profite pour l'emmener. Et le mercredi, enfin il y a des, je sais pas s'il y a déjà assisté, mais il y a des déjeuners, on va dire des déjeuners informels où il côtoie d'autres adolescents qui rencontrent d'autres espèces de problèmes. Quoi. Donc il y a des groupes de parole, des déjeuners. Voilà, vous avez été reçu, vous, pas du tout? Bah en fait je connais le psychologue de vue parce que je l'ai vu au centre hospitalier parce qu'on avait pensé au départ qu'il avait une endocrinopathie. D'accord. Parce que par rapport, il y a du non-dit dans la famille ou il y a du secret de famille. Vous me parlez, est-ce que vous évoquiez à mot couvert là, des secrets de famille? Bah des secrets de famille, des choses. Enfin, et puis ça se transmet. J'ai l'impression que ma mère a eu une enfance qui l'a complètement dévoilée. Parce que vous savez, je pense à une chose. Il y a des secrets de famille. Il y a un très bon livre de Serge Tisseron sur les secrets de famille. Ou à un moment où il explique que les secrets de famille, ça transpire, ça suinte d'une génération à une autre, et où on ne dit pas les choses, et où à force de ne pas dire les choses, de ne pas savoir, où on ne dit pas à l'enfant, où on lui dit quelque chose qui n'est pas véritablement la réalité, il peut finir par se couper de la connaissance. À quoi ça sert de vouloir savoir, de vouloir connaître, d'acquérir un savoir, puisque finalement, ce qu'on lui dit être la réalité n'est pas la réalité. Donc ça peut créer vraiment une phobie, enfin pas une phobie, mais l'enfant n'a plus envie d'apprendre. Je ne dis pas que c'est le cas de votre fils, mais c'est intéressant parce que vous avez commencé tout de suite par ces casseroles que vous vous trimballez dans votre famille. Oui, c'est vrai, mais bon, il y en a d'autres dans notre famille, ça doit être semblable. Hein. Ah, chaque famille a des cadavres dans le placard, plus ou moins. Il y a des secrets qui sont plus lourds que d'autres. Procurez-vous l'ouvrage de, si vous le pouvez, de Serge Tisseron, TI2S. E-R-O-N, oui, sur les secrets de famille. Est ah, il est, oui, et c'est lui qui a vraiment, sur les secrets de famille, c'est lui qui en parle le mieux. Vraiment, ça peut être intéressant. Et puis, peut-être que vous, ça serait important que vous alliez parler de votre histoire plutôt que de tout mettre sous le tapis. Ça aiderait peut-être beaucoup votre fils, si vous, de votre côté, vous avancez. Je vous dis ça comme ça, vraiment. Bon courage, Nicolas. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit.